c'est Drac Survie, aujourd'hui on se retrouve sur The Crew 2, comment allez-vous aujourd'hui? N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche de notification. Aujourd'hui nous partons sur The Crew 2, donc j'ai aujourd'hui décidé de faire un petit truc, autant que je vous le dise tout de suite. Donc pour la prochaine vidéo, j'ai envie, pour ceux qui connaissent à peu près The Crew 2, ou soit aller regarder sur internet, il y a normalement toutes les courses qui sont mises, il y a les trucs qui apparaissent. Et je voudrais que vous me donniez 3 courses pour chaque vidéo. Donc par exemple pour la prochaine vidéo, je voudrais que vous me donniez 3 courses que je fasse aléatoirement, que ce soit de l'avion, du J-Sprint ou quoi que ce soit. Je les ferai. Alors bien sûr, si je vois que la vidéo sera trop longue, je couperai des morceaux qui ne servent à rien, mais je voudrais que vous me dites en commentaire, voilà, tiens, tu fais cette course-là, cette course-là, cette course-là, et je voudrais que vous fassiez le maximum de partage. J'ai vu qu'il y avait moins en moins de personnes qui regardaient mes vidéos, et je voudrais que cette fois-ci, que ça remonte un peu, parce que c'est vrai que ça fait un moment, je m'étais calmé un peu sur les vidéos ou quoi que ce soit, parce qu'avec mes soucis ou quoi que ce soit, je pouvais pas faire grand-chose. Mais là je vais essayer de revenir un peu dans le game et puis tout ça, de faire le maximum. Donc on va revenir sur du The Crew, on va retourner aussi sur GTA je pense, on va y retourner faire quelques games sur GTA, on va aller faire quelques braquages, on va aller faire quelques petits trucs, on va aller s'amuser un peu, on va aller découvrir des choses sur Fortnite, donc on ira en labo de combat ensemble. J'ai bien envie de voir un peu ce que on va faire. Donc aujourd'hui j'ai prévu 3 courses, donc pas des longues hein, bien sûr, je suis déjà allé les voir, j'ai déjà regardé un peu au minimum le niveau de la course. Donc il y en a une, c'est une course tout terrain. La deuxième c'est une alors je sais pas si c'est une course ou un chemin, c'est en avion ce qui est sûr, ou c'est de l'acrobatie, je ne sais plus trop. Et la dernière c'est du bateau. Donc je vais vous montrer un peu où on va aller. La première, si je me rappelle bien, la première, c'est celle-là. Donc le bateau qui est là-haut. J'avais dit de l'avion, l'avion. Je crois bien que c'est celui-là. Si je me trompe pas, aérobati, je crois. Je crois bien que c'est celui-là. Ouais, de toute façon, dans la zone. C'est soit celui-là ou soit le bleu, je ne sais plus. Ah. Je crois bien que c'est le violet, si je me trompe pas. Et du tout-terrain, je crois bien que le tout-terrain a été plus au-dessus. Est-ce que je l'ai fait? J'ai dû la faire parce que tout terrain, j'en ai fait beaucoup. Est-ce que j'en ai une qui n'est pas faite là, en tout terrain? Ou sinon, on se rapatriera sur du sud de l'hypercar qui est juste là-haut. Comme ça, on suivra la côte. Et on restera dans la zone. Ou sinon, on reste dans la zone et puis je vais voir. Bon, on va commencer déjà par le bateau, le powerbat. Donc, direction le powerbat. C'est parti. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, faites le nécessaire pour cette chaîne. Et faites le nécessaire pour la vidéo, pour les games. Parce que clairement, j'ai trouvé que beaucoup de personnes... J'avais de moins en moins de personnes qui regardaient mes vidéos. Alors, bien sûr, je ne dis pas que voilà, vous n'avez pas autre chose à faire. Mais... c'est sûr que depuis un certain temps, j'ai regardé que j'avais déjà diminué. Je remercie toutes les personnes qui sont venues sur mon live du samedi. Lundi, j'avais mis une vidéo, la rediffusion de certains passages de mon live. J'espère que ça vous a plu. Mince, c'est un peu trop fort. Hein. Voilà. Mais t'es derrière ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé qu'il y avait des rochers. Bon, pour le moment tout va bien. C'était surtout le début avec des petits tournants à droite et à gauche qui n'ont pas fait trop plaisir même aux autres bateaux, j'ai l'impression, j'ai envie de dire. Par contre, il y a des sauts, je sais pas, je pense pas qu'on gagne autre chose en faisant des sauts, de toute façon. De toute façon, tant qu'on gagne la course. Alors je les ai pas fait, hein. J'ai choisi vraiment des courses que j'avais pas fait. Parce que je me suis dit. Wouah. J'ai cru que j'allais pas sauter assez loin. J'ai eu chaud là. Donc première course OP, première place. Donc je ferai pas de montage, hein. Je veux pas refaire 3 fois, 4 fois les voitures, 4 fois, 5 fois les courses. Je veux vraiment aller à fond. Récupérer, améliorer les véhicules comme ça c'est fait, mais clairement je veux pas prendre 15 jours à essayer ou quoi que ce soit à faire une course, donc voilà, parce que sinon ça sera trop long. Donc toc toc toc. Alors par contre j'ai monté d'un niveau, hop, on va le mettre là. Véhicule. Performance. Démanteler. Non plus. De toute façon, j'ai qu'un. Ah non, j'ai un autre bateau. Ouais, bon, de toute façon, je suis beaucoup plus rapide avec celui-là. Toc. Bon, allez, on change de catégorie. Maintenant, on part sur le bateau, sur l'avion. On va déjà faire tout ce qui est vraiment compliqué. Alors le bateau, je pensais que ça allait être un peu plus compliqué, mais ça a été rapide. Donc voilà. Bah pour la prochaine game, donc ce que je demande pour ceux qui voilà, me suivent à peu près à minimum, c'est au minimum une course de voiture. Donc que ça soit de l'hypercar ou de la supercar. Hein, soit du tout au terrain, soit un truc rallye race. Soit du hypercar ou soit touring car. Alors les touring cars, bien sûr, je les ai terminés, mais voilà. Par contre, les trucs comme ça, les hypercars comme ça, vous pouvez me les dire, sauf que ça sera très long. Et le truc, c'est que la plupart, je les ai déjà fait au minimum une fois. Le truc, c'est que j'aime bien passer au moins le niveau. Donc à voir, à voir, à voir. Donc voilà. Donc là, cette fois-ci, nous partons ouais, en aérobatique. Aérobatique. C'est parti. Ah, panne son. Hein. J'ai eu un panne son, moi aussi. Alors, faut pas vous inquiéter, moi aussi j'ai eu une courte de panne. C'est parti. Un petit looping. Hop là. Tu la joues trop safe. Prends un peu plus de risques. Allez quoi, rapproche-toi du sol. Ne force pas si t'as pas envie.
Elle fait rien que te provoquer pour voir ce que t'as dans le ventre. Voilà, comme ça. Faut que tu prennes des risques. Je prends plus de risques que toi, je pense. Je vais faire les tonneaux. Les tonneaux. Attendez, c'est quoi ça? Touche et go. Toucher le sol et récolte. Toucher le sol et redécolle. J'avais pas compris. Moi, je peux voler à l'envers à basse altitude pendant plusieurs minutes de suite. Peut-être qu'un jour t'en seras capable, toi aussi. Qui sait? Ah, je suis plus en l'air là. Je vois plus le sol en fait. Je vois bien que je suis pas assez droit. Ah bah oui, j'étais pas assez droit. J'étais pas assez droit. Bon, bah tant pis, mais au moins j'ai battu le. J'ai obtenu le score qu'il fallait, donc c'était impeccable. Alors je suis surtout concentré, hein, comme vous le voyez, je ne parle pas beaucoup. Mais j'essaye d'être concentré un minimum pour le machin. Donc voilà, c'est le meilleur moyen d'expliquer à tout le monde ce qu'on fait, c'est ça. Nos pilotes sont des pros, mais il y a des moments où ils se comportent comme des sales gamins. Du genre à organiser un pique-nique dans une église par exemple. Maintenant que Grincheux a donné sa version, écoute la mienne. Si on fait des trucs que t'as jamais vu avant, c'est parce qu'on s'éclate à faire tout ça. Donne-nous un avion et tu vas voir, on va te montrer l'incroyable. On cherche en permanence à créer un spectacle. Tu sais pourquoi? Ok. Donc normalement j'ai débloqué... Mademoiselle pour faire une course avec. Si je me trompe pas. Toc et... Toc. Voilà. Toc. Alors maintenant, prochaine course. Eh hey, mais je suis à l'envers. Et c'est grâce à ce pognon que tout le monde ici paye les factures. C'est cool, non? Je suis à l'envers. Ah. Oh bah j'ai perdu mon point. Perdu. Pas grave. Alors, normalement, ils m'ont dû me rajouter un point violet. Ah non. Bah non, je croyais. Ok, bon, allez, direction hypercar. Alors, je vais changer de voiture là pour cette course. Je vais prendre une autre voiture. Ah bah, oui, je suis con, c'est une hypercar, donc c'est Lamborghini. C'est ma Lambo! Ouais, je suis pas mécontent de l'avoir pris tout compte fait parce que ça fait un peu tous les machins et c'est vrai qu'on augmente grâce à ça, grâce à la Lambo, je peux monter plus faire les défis course de flics. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Allez, U. Oh, laissez passer la police!
Oh, oh là. Commence déjà. On passe déjà dans les cacahuètes. Oui. Adieu. Je suis dans l'herbe. Je fais des zigzags entre les voitures, moi. Oh, je suis passé entre eux là. Bouge-toi le panneau. Tendre décalage quand même sur la vidéo. Je pourrais jamais suivre sur le PC. Ah si, peut-être. Oula, j'ai pas tourné. J'ai oublié de tourner. Youl clignotant. Ah, il est pas là. Pas mal la Lamborghini. Ça va, c'est facile. Je pensais qu'il y aurait quand même un peu plus de tournant. Allez, début, je suis allé labourer la terre, j'ai fait quelques sauts, je suis passé entre les bagnoles. Allons. C'est qu'on attend encore, bah les outres. Et encore, je sais même pas. Là. On les verra même pas passer la ligne d'arrivée, je crois. J'ai même pas vu passer la ligne d'arrivée. Ah. Alors je sais pas, il y a peut-être pas passé la ligne d'arrivée, mais je pense qu'il y a dû y avoir quand même une voiture qui a passé et m'a rentré dedans sur le dernier moment. J'ai quand même reculé, quand même. Alors, voyons voir, voyons. Alors, toc, toc, toc. Toc. Donc bon, c'est sur ceci qu'on va se laisser, les amis. Alors, je vais juste vous parler d'une chose avant de se quitter. J'ai vu que pas mal de personnes étaient encore en train de regarder la vidéo comment avoir des jeux gratuits sur Xbox. Alors je me répète, faites attention quand même à certaines personnes qui donnent leur Instagram, leur Snap, leur truc comme ça.
Si vous vous faites pirater, je ne veux pas être responsable, d'accord? Moi, je veux bien être votre ami et tout ça. Je l'ai déjà dit en vidéo, je l'ai déjà dit plus d'une fois, que si vous voulez jouer avec moi, je suis d'accord en hors vidéo. Sur Fortnite, j'en ai rajouté, ils veulent jouer avec moi, ça ne me dérange pas du tout. Ils ont qu'à m'envoyer un message sur Fortnite ou directement m'inviter et je rejoindrai. Mais par exemple, quand je suis en vidéo, je ne rejoins pas, je ne vous invite pas. Et de toute façon, je me mets en hors connexion pour, bah, pour ceux que j'en ai mis sur la Xbox, je me mets hors connexion pour éviter de voir les personnes qui me rejoignent ou les trucs comme ça, que les personnes amies que j'ai, et pour éviter que les icônes se pointent, parce que maintenant c'est un peu chiant. En vidéo, je le fais pas, mais en live, je le fais. Mais si par exemple, en hors vidéo, quoi que ce soit, que vous voulez m'inviter et qu'on fasse une game, normalement, mes vidéos, je les fais l'après-midi. Je les fais entre 14h, vers 14h, entre midi 14h, voire un peu plus des fois, pour le lendemain. Donc cette vidéo, comme vous le voyez, je la tourne le lundi, mais cette vidéo sortira pour mardi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous mets grandement un point d'interrogation sur un point de pour faire attention aux personnes qui vous donnent leur snap ou leur truc comme ça. Parce que si un de ces quatre, je reçois un message pour me dire « Ouais, je me suis fait pirater, c'est à cause de toi ou quoi que ce soit », je ne veux pas être fautif. Moi, je vous ai donné un conseil. Je vous ai toujours dit qu'il fallait faire attention aux personnes. De toute façon, je referai une vidéo pour en reparler parce que clairement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes qui comprennent ce que je veux dire. Le truc, c'est que beaucoup de personnes m'ont demandé ou quoi que ce soit, ouais, rajoute-moi, ouais, je voudrais ci, je voudrais ça, machin, machin. Ça se mérite un jeu. Moi, j'ai promis à quelqu'un, s'il joue avec moi ou quoi que ce soit, il ne joue pas avec moi. Je l'ai rajouté en ami, ça m'a pas dérangé de le rajouter en ami. Mais le truc, c'est que s'il ne joue pas avec moi, je ne vais pas lui dire au bout de 3 ans, bon, on a mis sur la console, voilà, basta, je te file mon compte. Non, faut qu'on joue ensemble, faut que je te connaisse. Moi, je joue avec un ami, je le connais, je joue, il m'aide. On fait des jeux ensemble, on est sur God of War, on est sur Fortnite, voilà, on joue ensemble. Je te fais un coucou juste si tu regardes cette vidéo. Mais pour ceux que je connais et qui jouent avec moi, et je connais certaines personnes qui m'ont dit non, je préfère pas parce que j'ai toujours peur, et je comprends leur situation, ils ont peur de se faire pirater ou que voilà, basta. Le truc, c'est que si il y a un souci, faut pas que les gens de l'autre côté se disent bah putain, il m'a eu, machin. Non, non, moi j'ai quand même deux personnes, j'ai mon frère et un ami. Bon, mon frère, je le connais, s'il me piraterait, je pense qu'il se prendrait un coup de poing dans la tronche. Mais mon ami, je le connais depuis un moment. Je sais que sur certaines personnes, je pourrais faire confiance de leur passer mon compte pour qu'ils puissent avoir certains jeux de ma Xbox, mais pour d'autres, non, je ne pourrais pas faire confiance. Donc voilà. Donc passez une bonne fin de journée pour ceux qui regarderont les vidéos ou quoi que ce soit. J'espère que cette vidéo, vous la partagerez à fond, que vous mettrez des pouces bleus à fond. Clairement, c'est tout ce que je vous demande. Abonnez-vous, quoi que ce soit, mais faites le maximum. J'ai vu qu'il y avait eu des personnes qui s'étaient désabonnées ou quoi que ce soit, je sais pas pourquoi. Alors certes, j'ai un rendement un peu moins parce que bah, à cause de mes soucis, bah, je fais un peu moins de vidéos. Donc je peux pas en venir au terme ou quoi que ce soit. Alors je pense que pour certaines personnes qui regardent mes vidéos comme Boxy, Dr. The Crew 2, Macaron, Dexter, que je refais un coucou parce qu'il est passé sur mon live, je te fais un coucou si tu regardes cette vidéo. J'espère, faites le nécessaire s'il vous plaît, faites le nécessaire, faites des partages, je demande rien d'autre. Qu'est-ce qui vous empêche de vous abonner? Je vous demanderai jamais de l'argent, moi c'est surtout ça. Un abonnement, c'est quoi? C'est un clic, une cloche, un clic
Et un pouce bleu, c'est un clic, ça fait 3 clics. Alors 3 clics en quoi? En tic tic tic, voilà, en 2 minutes quoi, même pas, en 1 minute, même pas une minute. Donc c'est tout ce que je vous demande. Et voilà, je fais pas, moi je demande pas grand chose. C'est surtout que là en ce moment, moi comme je vous ai déjà toujours dit, moi les vidéos c'est surtout pour m'amuser, vous montrer ma passion. Il y a beaucoup de youtubeurs qui disent ouais machin, mais je pense que pour beaucoup qui disent ouais non, de toute façon on fait juste ça pour l'argent, non, c'est pas possible. Quand vous faites quelque chose et qui vous plaît et que vous le faites partager à quelqu'un, c'est que ça vous plaît aussi, il faut que ça plaise aussi à de l'autre côté. Mais voilà, faut que ça aille dans les deux sens, parce que je vois qu'il y en a qui regardent et qui s'abonnent pas. Et j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui regardaient la vidéo, les jeux gratuits, et ne sont pas abonnés. Et pour ça, je vous remercie. Mais voilà, je voudrais vraiment que les abonnements, ça monte. Et que les pouces bleus aussi, et que le niveau de la chaîne remonte un peu.